Allez, Corentin. Voilà, on va retrouver ce groupe bien sûr avec nous sur ce passage. Voilà, la prime remportée par Milan Botiami en seconde position. Relien de Lorraine pour l'Union Cycliste Adrien. Troisième, Malo Stévan pour le vélo club du Pays de l'Odéac. Ah, il faut réagir en tout cas, l'écart qui commence à monter maintenant avec le groupe de tête. Merci de montrer les dossards, s'il vous plaît, au commissaire. Voilà, je rappelle de montrer vos dossards au commissaire, s'il vous plaît, pour le contrôle technique. 40 secondes. On va dire, puisque là aussi, sur la partie technique, c'est difficile à nos commissaires d'être là, ne voyons pas les dossards des coureurs. Une minute! Une minute, ton dossard!
31 premier, 32 secondes, Venice, 43 Venice, pour la 29e course à l'annonce du dernier tour. Attention à la météo, alors que ça a bougé énormément avec, eh bien, c'est Frédéric Dajon qui a venu chercher cette première part de la prime. Voilà, tout ça avec le partenaire à nos côtés. Inverse du dernier tour. Voilà, attention de mener là dans ce final. Avec donc Frédéric, d'ailleurs avec Dylan Botany qui était là, et Manon Stéphane. Donc les troisièmes. À la mort du dernier tour. Alors derrière maintenant, on va être là pour les places maintenant. Donc à la mort du dernier tour. Alors, quatrième position, on va retrouver le brioche qui est là. Voilà, le brioche, donc, c'est donc Samuel Gourlot en quatrième position à la marche du dernier tour. Voilà pour la cinquième place, maintenant ils sont quatre. Quatre pour la cinquième place, avec Alexandre Gagnon, entre autres Jean-Yves Pouillou, Aurélien Delaine et Mathieu Baudray. Voilà donc pour ce dernier tour. Voilà, attention donc pour les concurrents, on ne pourra pas toucher le dernier tour. Alors s'il y a des courants doublés, bien sûr, on ne le met pas dans ce groupe, on se laisse décrocher. Décision des commissaires. Les coureurs doublés doivent se laisser décrocher. Donc je rappelle, dernier tour. Toujours là. Attention, c'est l'arrivée. Pour les coureurs, c'est l'arrivée également. Ils s'arrêtent. Allez, tout le monde s'arrête. Là maintenant, c'est l'arrivée. Voilà. Et c'est donc Dylan Botany qui va s'imposer. C'est l'arrivée également. Voilà le Lorientais. Dylan Botany qui s'impose. Il avait été excellent dimanche dernier également sur le circuit de Plume Lac. Eh bien, il s'impose Dylan Botany. Voilà, en tout cas, on va voir. Voilà, Frédéric Gaillon qui va prendre la deuxième place. Gaillon, donc. Voilà, Frédéric Gaillon, deuxième. Et la troisième place pour Manon Stéphane, donc le coureur junior du Vélo Club qui fait nous des hacks, qui prend donc la troisième place également, donc le premier junior. Voilà, les trois premiers. Voilà, c'est les conditions qui ne vont pas s'améliorer. Voilà, attention, bien sûr, on va se retrouver là maintenant pour les places. La quatrième place, c'est donc c'est l'arrivée pour tout le monde, hein, donc c'est l'arrivée pour tout le monde, bien sûr. Enfin, attention, c'est l'arrivée. Sur un petit peu de l'or. Donc 9e place pour Romain Gillard. Voilà, d'ailleurs les 9 premiers étaient à peu près tout à l'heure. Donc 9 coureurs sont passés devant nous. 10e place maintenant sur cette épreuve d'attente. Voilà, 10e place. Alors que sur le circuit du Morbihan pour Présenteur, Thomas Paul Legrand, le. Un homme seul en tête, c'est Mathieu Jeannès pour l'instant, donc c'est là. Voilà les garçons qui en terminent. 35-90, donc c'est rendez-vous. Thank you.
Voilà, arrivé pour le départ 82, 86. 86.